Hello, bonjour, comment ça va? Hello mes citrons! Alors en fait j'étais en train de répondre un petit peu aux messages et tout, et je tombais sur ce message et comment s'appelle le pseudo de ton frère pour que je le demande à un ami. J'ai oublié le pseudo, bye, et je suis un citron. Et d'ailleurs merci pour le cadeau. Et du coup je lui fais coucou sur mon pseudo sécurité. Je me suis dit mais Quinzel, moi, mais pourquoi t'irais pas t'infiltrer sur le compte de ton frère? Parce que oui! J'ai son compte. Donc on va aller, on se dit à tout de suite sur son compte. Et me revoilà. Alors attendez, je me suis infiltrée sur son compte. Alors c'est comment je sais? Genre il a fait un café tuyau sur le taf, je réponds vite fait, le PC commence à lâcher, désolé pour ceux que j'ai pas répondu. Oh là là. Mon frère est actif sur Movistar Planet. Oh là là, ça rigole pas. Oh mon dieu, bah attends, on va lui prendre tous les cadeaux là. Est-ce qu'il a fait le... Attendez. Est-ce qu'il a fait la quête là, la première? Attends. Bon, on va lui faire sa quête là, il a pas fait lol. Mais Gultir. Offre VIP. Offre VIP spéciale. Non, ça doit quand même faire un petit moment que c'est pas connecté, sinon l'offre elle se serait pas lancée. Mais il y a quand même un que fais-tu? Il a quand même accepté pas mal de monde, hein. Il a pas mal d'amis, hein. Il a quand même 96 amis, il y a des gens qui l'ont demandé et tout. Bah attendez, on va accepter les gens. Bah oui, on est gentil. S'il tombe sur cette vidéo, il va me tuer, je crois. Mais c'est pas grave, ne lui dites rien, ça restera entre nous. Entre toi et moi. Toi qui regarde la vidéo et moi qui fais la vidéo, ça reste entre nous. Et d'accord? On est d'accord? Alors attendez, déjà on va accepter ses amis. On va tous les accepter. Comme ça, hop. Quinzel Brezel, lol. On va accepter une Quinzel Brezel. C'est une cousine germaine. De très très loin. Voilà, on a accepté tout le monde. Et attends, comment je peux savoir la dernière fois qu'il s'est connecté? Si je vais des genre dans son profil. Il n'y a pas de que fait, c'est-à-dire que ça fait un petit moment que c'est pas connecté. Ça veut dire que ça fait un petit moment. Et tiens, on va aller voir ses messages. Aller voir ses messages. Hé! Là, vous êtes tous les jours en train de lui parler et tout, quoi. Attends, on va aller voir les derniers messages auxquels il a répondu. C'était il y a genre combien de temps? Soit la vidéo, maintenant, elle date, elle a plus d'un mois, je crois. Il y a encore plein de monde qui lui parle. LOL! LOL! Attends, ouf. Et là, je crois que je suis pas la seule à t'envoyer des messages. Je sais pas si t'as remarqué, mais ta soeur s'écho sur ton compte. Et pirater, tu fais rien. Bref, apparemment, t'aimes le citron. Pas sûr, désolé, mais j'ai pas de citron. Mais unanime, ça te va. Sinon, bonne continuation. Paragraphe, bonjour. Désolé pour l'image, pas fait exprès. Et elle lui a offert un cadeau, c'est gentil. Oh, yo, attends, c'est mon frère qui a crié yo. Oui, j'avais créé ce compte pour rigoler, donc je joue pas trop. Sinon, merci pour les cadeaux, même si je sais pas comment ça marche. Ah! Ah, c'est pas comment ça marche. Mais attendez, du coup, on va lui. Hello! Elle m'a envoyé un message. Bon, je. Attends, on va lui renvoyer un petit auto. On va renvoyer un auto, on est gentil. Il est quand même niveau 9, hein. Et attendez, on va voir son Fame Magazine. Ah, vous lui avez quand même envoyé 232 autos, c'est gentil, merci beaucoup à vous. Mais bon, je vais pas lui prendre. Parce que bon, voilà, je suis sur son compte, mais je vais quand même respecter un minimum. Là, en plus, s'il prend les autos, il passe au moins 2 ou 3 niveaux, je crois. Il y a moyen qu'il passe 2 ou 3 niveaux avec les autos que vous lui avez envoyées, mais bon, c'est à lui de les prendre s'il en a envie ou de les garder si un jour il veut se mettre VIP. Sinon, au niveau des messages, bon, ça serait pas très très gentil d'aller lire ces messages, mais je vais aller voir les cadeaux que vous lui avez envoyés. J'adore ta soeur. Oh, merci Elisa, moi aussi, je te kiffe. Et là, si je passe un petit cadeau, bah merci, il y a quand même pas mal de cadeaux, hein, le Gutir. Quand même 3 ou 4 pages, hein. Ouais, 4, 5 pages, je sais pas, je ne sais pas compter. Est-ce qu'il a. Non, il en a pas. Il n'a pas ouvert les cadeaux, donc je pense qu'il ne sait pas comment ouvrir les cadeaux. Bah du coup, écoute, Gutiérrez, si tu passes par là pour ouvrir tes cadeaux, il faut que tu ailles dans mon profil, ensuite dans mes cadeaux, et voilà. Et après, tu cliques sur les cadeaux, et puis ça te les ouvre, voilà. Donc tu peux les ouvrir de cette manière-là. Est-ce qu'il a reçu un ticket VIP? Non, il a pas reçu de ticket VIP. De tristesse. Il n'a pas de ticket VIP. Je vais même pouvoir lui envoyer un que j'ai reçu, mais je ne peux pas.
Mon dieu, il a pas de ticket VIP. C'est pas très très cool. Non, je rigole. De toute façon, je l'aurais pas pris le VIP. C'est à lui de le prendre s'il veut vraiment. Mais si on va dans ses messages, on va pas lire les messages. On va pas lire ses messages. Mais on va juste lire par-dessus les messages. Parce que je vais pas ouvrir les messages parce que sinon lui il va se connecter sur le compte. Et il verra pas les messages qu'il a déjà lus et qu'il a pas lus parce que je les aurais ouverts. Mais juste comme ça par-dessus. Yo, c'est qui le petit frère ou la quinzelle? Bah écoute, actuellement au moment de la vidéo c'est quinzelle. Salut frère de quinzelle, ça va? Merci pour les autos que vous lui envoyez. En plus vous lui envoyez tous les jours des autos encore. Voilà, la dernière vidéo que j'avais fait sur mon frère qui est Gutierre dans le game. Eh bien, c'était il y a, je crois, un mois et demi hein, qu'on avait fait cette vidéo. Il me semble que c'était au mois de mars, donc ouais, ça fait bien un mois et demi, je crois. Et vous êtes encore tous les jours à lui envoyer des messages, à lui envoyer des autos. Mais bon, au moins, grâce à cette vidéo, peut-être qu'il sera un peu plus actif et qu'il vous répondra un peu plus. Et, je suis trop fan de ta sœur. Oh, merci. J'adore ta sœur, merci. Voilà, mais je vais pas les lire parce que je peux pas, voilà. Bon. Je suppose que tu es prince des citrons. Merci beaucoup. Là, ouais, si vous regardez, ouais, vous voyez, il y a régulièrement des gens tous les jours qui lui envoient des messages, des autos. Et ça, c'est vachement cool. Bah, écoutez. Ce qu'on va faire, c'est, vu que je peux pas trop ouvrir les messages, voilà, un minimum de respect, on va peut-être aller lui faire un look. Alors attends, il y a quoi comme thème? C'est quoi ça? LOL. On dirait qu'il a des crottes de nez sur le visage. Oh mon dieu, c'est gore. Quoique avec une autre couleur, genre en rouge. Ah, on dirait un alien. On dirait qu'il a des champignons qu'ils ont poussé sur son visage. Ah mon dieu. Genre en brun comme ça. Ah mais c'est horrible. En noir. Non, ça c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Ça coûte des diamants. Ça coûterait pas des diamants, j'aurais acheté juste pour délirer. Ça c'est typiquement le thème que mon frère, il serait là, il serait en mode mais what? C'est un thème de fille, c'est... Doudou, tu mets un jeans avec des fleurs. Non, je pense qu'il aimerait pas. Il aimerait pas le thème actuel. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont VIP hein, quand même sur ce thème. Mais ouais, non, là, non, VIP, regardez, encore VIP. Bon, je sais bien qu'ils mettent les trucs les plus beaux en VIP, mais quand même. Laissez des choses en non-VIP quand même, hein, s'il vous plaît. Ça, c'est... Mouais. Mouais, mouais, mouais. Bah tiens, ce thème là est un peu mieux. Ça c'est la veste à la limonade. La veste à la limonade. Regardez. Si je peux lui faire quelque chose avec ce thème là. Ça il préférerait. Ça c'est genre de... Ouais merde, je peux pas ça parce que c'est des... Pourtant c'est pas... Voilà c'est pas ouf. Hein. C'est juste un t-shirt blanc avec des dollars dessus et ils te mettent ça en vie quoi. Ils ont craqué. Alors je regarde ça, c'est un... Attendez. Si on peut genre le transformer en mode Kaira de la cité, rappeur et tout. On peut peut-être faire quelque chose. On peut peut-être faire quelque chose. Je suis en train de dépenser ces Starcoin quoi en vrai. Ouais. On dirait Elvis Presley quoi. Non, ça j'en peux pas. Wow, 1800 Starcoin. Ah c'est abusé. Les chaussures elles sont vachement chères. Bah écoutez, je crois que j'arriverai pas à lui faire un look. Parce qu'honnêtement, je suis désolée pour vous les garçons, mais franchement, les trucs que vous avez, c'est de la merde. Voilà, clairement, c'est de la merde. Ouais, cette coupe, elle est sympa. Mais franchement, vous avez de la merde. Pareil aux filles, franchement, je trouve que je suis déçue des choses qui sortent pour les garçons. Je suis vraiment déçue. Lol. Bah écoutez, j'ai fait un petit peu le tour. J'ai essayé de lui faire un look, je suis désolée. C'est pas réussi. On a regardé vite fait ses messages. On a regardé son fake magazine. On a infiltré son compte. Là, franchement, s'il vient, c'est ni vu ni connu. On lui a juste fait la quête avec les cadeaux et puis c'est tout. Hein. C'est tout ce qu'on lui a fait, hein. Donc au pire. Bah, attendez. Est-ce qu'il y a des gens qui lui ont créé des looks, tiens? Plus beau que vous. Oh.
Bah, tiens, on va mettre celui-là. Accepte-moi, s'il te plaît, par psychopathe. Ah, mais en fait, elle a juste rajouté. Culasse, ça veut dire quoi, ça? En fait, Alexia, la reine, elle lui a piqué son look. Il lui a juste ajouté un truc. Tiens, on va le vite. On va porter. Lol. Bon, après, en même temps, il n'y a pas beaucoup d'affaires. Donc, ça a vite fait tourner sur le même look. On va rester sur ça. Ouais, quoique, ça se fait, il y a des gens qui... Ouais, bon, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont dû créer le même look, en fait. Je dis de la merde. Elle lui a pas volé son look. C'est juste qu'il n'a pas beaucoup d'affaires, voilà. Bah, écoutez... Je vais lui dire d'ouvrir ses cadeaux. Je lui demanderai d'ouvrir les cadeaux. Tiens, ah, ce qui pourrait être une bonne idée, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. La prochaine fois que mon frère passe chez moi, je tourne une vidéo avec lui sur son compte pour lui expliquer certaines choses. Ça pourrait être marrant, ça pourrait être rigolo. Et bah écoutez, bah merci beaucoup d'être encore à l'aider, quoi. Même s'il n'est pas très très actif. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao, ciao.